Devinette, ils sont 43 491 en France. Ils sont présents dans presque toutes les communes. Leur superficie totale représente 20 000 hectares, soit l'équivalent de deux fois la taille de Paris. Et l'utilisation des pesticides y est encore autorisée. Nous sommes les cimetières. Et oui, les pesticides qui polluent l'air, l'eau, la terre, qui sont nuisibles à la santé des visiteurs, des jardiniers et à la planète, sont encore autorisés par la loi dans la majorité des cimetières. Mais bonne nouvelle, il est possible de s'en passer et de faire des cimetières des lieux de repos et de respect aussi pour la biodiversité. Des lieux où la nature peut contribuer au recueillement. Par exemple, en remplaçant les allées de gravier par du gazon, en végétalisant les murs du cimetière, en mettant du paillis au pied des massifs d'arbustes pour empêcher les herbes folles de s'installer, ou en laissant pousser les fleurs spontanément. Vous pouvez encourager les responsables de votre collectivité à stopper l'utilisation de pesticides dans les cimetières. Parlez-leur du label « Terre saine, commune sans pesticides ». Pour en savoir plus et découvrir les solutions qui existent pour sortir des pesticides, rendez-vous sur fne.asso.fr. Bonne nouvelle, les pesticides, on peut s'en passer.